Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube associée au site okarma.fr. Heure miroir 1h1, signification et interprétation. Si l'heure miroir 1h1 vous apparaît régulièrement au cours de votre vie, que ce soit à travers des écrans de portable, de télévision, d'ordinateur ou tout simplement à travers les montres, cela n'est pas une simple coïncidence. Au contraire, cela marque une étape importante de votre parcours. Plus précisément, cette heure miroir comporte de nombreux sens, symboles et messages vous étant destinés et qu'il faudra impérativement déchiffrer. À travers la compréhension des sens issus de cette heure miroir, vous aurez alors les outils nécessaires pour faire face aux obstacles se dressant devant vous et vous pourrez pleinement vous développer, matériellement et spirituellement parlant. Si vous préférez lire aux vidéos, le site okarma.fr propose un livret avec la signification et les explications de chaque heure miroir. Cet e-book est pratique pour consulter à tout moment la signification d'une heure miroir. Le lien de l'e-book est disponible en description, profitez du code promo OK YouTube pour l'acheter à moitié prix. Heure miroir 1h1, signification. Si chaque heure miroir dispose de messages et significations différentes et variées, l'heure miroir 1h1 signifie principalement la confiance, et ce, sur plusieurs aspects. Tout d'abord, nous pouvons parler de confiance à autrui. En effet, cette heure miroir vous indique principalement à qui donner votre confiance et à qui il est préférable de ne pas la donner. Généralement, cette heure miroir vous apparaîtra lorsqu'il vous sera nécessaire de faire confiance aux gens. Il est toutefois de mise d'agir avec prudence et avec analyse, car la confiance que vous accordez est très importante. Ensuite, il y a la confiance en soi et la croyance. Lorsque cette heure se montre à vous de manière régulière, cela peut signifier que vous devez accroître votre confiance personnelle au vu des événements importants qui viendront à vous. Interprétation angélique de l'heure 1h1. Dans le symbolisme angélique, l'heure miroir 1h1 possède bon nombre de significations, de sens et de messages à vous faire parvenir. En premier lieu, cette heure comporte un message important de vos gardiens sur le domaine sentimental. Ils vous disent que vous devez équilibrer votre situation émotionnelle afin d'identifier clairement la personne qui pense à vous et qui est intéressée par vous, amoureusement parlant. À travers une meilleure stabilisation de vos sentiments et une réflexion spirituelle appuyée, vous serez alors capable de savoir précisément qui est cette personne. Vos gardiens vous disent également que vous êtes un leader né, mais qu'il vous faudra être guidé afin d'entreprendre le chemin qui vous est destiné et qui vous permettra de réaliser de grandes choses. De ce fait, faites confiance à vos gardiens et soyez pleinement à l'écoute des indications qu'ils vous indiqueront. En termes d'ange gardien unique, cette heure miroir est liée à l'ange Elémia, représentant la réussite. Cet ange vous donnera la force et le courage d'apporter le renouveau et changement nécessaires à votre vie, vous permettant de réaliser vos rêves et vos aspirations. Avec l'aide et la protection du gardien Elémia, vous serez alors capable de produire de grands changements, autant dans votre vie que dans le monde qui vous entoure. Explication spirituelle de l'heure miroir 1h1. Au sens spirituel, cette heure miroir comporte des sens importants issus des chiffres qui la composent, c'est-à-dire les chiffres 0 et 1. Le chiffre 1 est la suite naturelle du 0, ce qui crée alors un symbolisme de lien dans cette heure miroir. Ces chiffres, une fois repris dans la partie des minutes, représentent un cycle, un chemin de renouvellement. Il est également important de savoir que ces nombres sont particulièrement liés au plan spirituel et comportent des concepts positifs tels que le succès, la réalisation de soi sur le plan spirituel et matériel ou encore de nouvelles opportunités à venir. Amplifiez vos présages avec les pierres naturelles. La combinaison de l'heure miroir avec des pierres naturelles spécifiques permet d'accroître votre capacité de déchiffrement des messages issus de l'heure miroir elle-même, mais aussi à décupler les effets des sens qui y sont reliés. Toutefois, il est important de savoir quelles pierres sont adaptées pour produire l'effet désiré. Certaines pierres comme l'aventurine ou la pyrite ont la capacité d'attirer les énergies positives pour les matérialiser et ainsi apporter succès et gloire. L'œil de tigre est la pierre idéale pour renforcer la confiance en soi et vous affirmer, tandis qu'une pierre aux vertus moins agressives, le quartz rose, vous permettra de comprendre plus efficacement les messages issus de leur miroir. Sachez que les pierres naturelles possèdent différentes vertus et que chaque personnalité est associée à une pierre spécifique. Si vous souhaitez découvrir quelle est votre pierre, nous vous proposons de réaliser un test de lithothérapie, gratuitement en vous rendant sur le site okarma.fr. Vous trouverez le lien pour réaliser le test en description de cette vidéo. Explication numérologique de l'heure miroir 1h1. Dans le domaine numérologique, l'heure miroir 1h1 montre des significations importantes à travers le chiffre 1. En effet, ce chiffre représente l'unité, la force et l'unicité.
Ce chiffre montre que vous disposez de capacités uniques, d'une grande créativité qui devra être développée et contrôlée pour vous permettre de réaliser vos projets et concrétiser pleinement vos rêves et vos nombreuses aspirations professionnelles et personnelles. Ce chiffre peut également représenter l'union, autant dans le sens spirituel que sentimental. En additionnant les deux chiffres de leur miroir, nous obtenons le chiffre 2 qui représente l'union émotionnelle et amoureuse. Ainsi, vous êtes alors sur la voie pour trouver votre âme sœur, la partie manquante à votre existence. Il symbolise également un lien entre vous et les énergies immatérielles. En effet, le chiffre 1 peut désigner un chemin qui vous relie aux différents concepts spirituels, au-delà de la compréhension humaine normale. En vous ouvrant à ces énergies, vous serez en mesure de savoir comment utiliser efficacement et positivement ces énergies. Le lien entre l'heure miroir et les chakras du corps. Les heures miroirs influent également sur des concepts liés aux différents chakras du corps, mais aussi de par l'utilisation de pierres naturelles. Ainsi, si l'œil de tigre est lié au chakra solaire, il apporte également des effets positifs aux éléments de l'heure miroir. Ainsi, l'heure miroir 1-1 est liée au chakra solaire de par les différents changements que ces deux éléments opèrent sur la psyché d'une personne. De plus, un équilibrage des énergies de chakra et plus précisément du chakra solaire, du chakra troisième œil et du chakra coronal permet de grandement d'atteindre plus efficacement les objectifs évoqués par vos gardiens à travers leur miroir 1-1. Leur miroir 1-1 avec le tarot. Leur miroir 1-1 a également de nombreux sens et significations dans le domaine du tarot. Ainsi, cette heure est liée à l'arcane du tarot appelé le battleur. Cet arcane symbolise le départ, un renouveau et le commencement d'une nouvelle phase de votre vie et de votre existence. Généralement, cet arcane montre que vous avez les outils et les qualités pour faire preuve de créativité et de débuter une nouvelle phase intéressante de votre vie, avec à la clé, de nouvelles opportunités. Cet arcane vous dit également que c'est le moment opportun pour évoluer, professionnellement et sentimentalement parlant. Il s'agit alors pour vous d'un tout nouveau cycle avec de nouveaux enjeux. Aspect positif de l'arcane. L'aspect positif de cet arcane se trouve dans le sens de la lame du battleur. En effet, cette lame symbolise le détachement à vos freins et aux autres obstacles passés pour vous permettre de connaître une nouvelle phase, avec l'accomplissement et la réalisation amoureuse, mais aussi professionnelle. Aspect négatif de l'arcane. Il est néanmoins nécessaire de faire attention si l'arcane est tiré et sorti à l'envers. Dans ce cas de figure, cela représente un contrôle négatif et l'illusion. Le battleur indique alors une fausse réalité où vous croirez être sur la bonne voie professionnellement, personnellement et sentimentalement parlant. Vous devrez alors doubler de vigilance et faire la différence entre l'illusion et la réalité. Pourquoi je vois souvent leur miroir 1-1 ? Le fait de voir régulièrement cette heure signifie que des énergies et vos gardiens se mettent en conjointe association pour vous faire parvenir des messages importants, autant sur les plans spirituels, numérologiques et angéliques. Il vous faut alors être attentif et ouvert d'esprit pour percevoir et comprendre ces messages. Quel message se cache derrière leur jumelle 1-1 ? Les messages issus de leur 1-1 sont majoritairement positifs. De manière générale, ces messages se rapportent à votre réalisation personnelle, à la nouvelle voie qui s'offre à vous et aux opportunités à déchiffrer et à comprendre. Que ce soit sur le domaine de la numérologie, du tarot ou des messages angéliques, les messages issus de leur 1-1 vous concernent directement. Pourquoi voir l'heure double 1-1 est un signe ? Principalement, il s'agit d'une forme de signal qui vous dit que des éléments se mettent en place pour opérer un changement qui vous concerne. Voir également l'heure 1-1 est un signe d'attention qui vous montre que vous devez changer certains éléments précis de votre vie pour pouvoir vous épanouir pleinement. Vous souhaitez ouvrir vos chakras ? Vous souhaitez profiter des bienfaits des pierres naturelles ? Alors vous devriez acheter un bracelet 7 chakras, aux pierres naturelles sur le site okarma.fr. Profitez du code promo OK10 pour avoir une réduction. Le lien du bracelet se trouve sur la description de la vidéo. C'est la fin de cette vidéo et nous vous remercions de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si ce contenu vous a plu et que vous souhaitez nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Okarma. Vous avez un retour à nous faire ? Ou vous souhaitez que l'on aborde un thème en particulier ? Dites-le nous en commentaire. Sinon, on se donne rendez-vous sur okarma.fr. À bientôt.